Je suis Marine de Sauce, je suis sculpteur depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai commencé à travailler dans un atelier, puis je me suis formée auprès d'un maître américain à Paris, auprès de qui j'ai appris toute la technique, qui était très très bon portraitiste. Puis un jour, j'ai pris mon envol en ayant mon propre atelier pour avoir mon propre univers et pouvoir sortir ce qu'il y avait de plus intime et de profond en moi. Alors techniquement, je travaille soit la terre, soit la cire, jamais par la taille directe, mais au contraire avec des armatures. Et autour de cette armature, je vais travailler en terre, puis en cire. Alors je travaille très lentement, par petites touches, toujours évidemment en tournant autour de ma sculpture. J'aime bien avoir plusieurs pièces en cours. Parce que je trouve qu'à la fois il faut l'énergie du départ et que cette chose ne soit pas abîmée par trop de travail. Et en même temps, le recul permet d'avoir un regard différent pour pouvoir avoir justement cet œil neuf qui se renouvelle à chaque fois. Alors, ma sculpture est figurative, plutôt aux confins de l'Afrique et de l'Orient. Et ce qui m'inspire, c'est ben, tout ce que je peux voir dans la vie qui m'émeut. Donc soit j'ai capté quelque chose au vol, un arrêt sur image dans la nature ou dans la vie, et c'est ça que j'ai envie de retranscrire tel que. Ou alors c'est un mélange entre des photos que j'ai pu prendre, d'autres choses que j'ai vues ailleurs, et je vais petit à petit me créer une image composite avec ces choses qui viennent de partout et me recréer ma propre image, ma propre icône, ce que j'ai envie de faire partager. Donc ça va être le geste d'une main ou la position d'un pied ou une tête qui est penchée. Dans la gestuelle ou dans ces images, il y a toute la dynamique, la joie, tout le panel des sentiments et des tas de choses merveilleuses qu'on peut avoir envie de retranscrire et que j'ai envie de retranscrire telles que. Je n'arrive à travailler que quand je suis dans l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion est en moi et qu'elle m'habite. Donc je n'ai pas de vision à terme de ce que je vais pouvoir créer parce que c'est vraiment un lien immédiat entre l'émotion que j'ai et ma capacité à travailler.